Bonjour à tous, bienvenue dans Safari Go sur Gulli. C'était dur, mais c'était très très dur, d'autant que j'étais vraiment au contact des enfants avec les familles. Donc c'est-à-dire que je voyais la complicité. Alors, notre bébé est beaucoup plus petit, hein, évidemment, mais le rapprochement, la complicité entre les parents et les enfants, et c'était pas bouleversant, on va pas exagérer, mais c'était très touchant, voilà. Nous pouvons féliciter Absatou, elle est en classe. Je suis hyper heureux et c'est quelque chose d'incomparable, en fait, devenir papa, c'est clairement un antidote contre l'égoïsme. Surtout dans notre milieu. Quelle est la couleur du postérieur du babouin? Est-il blanc, marron ou rose? Rose. Non, parce que Abby ne sera jamais exposé, donc on ne le fera pas avec Abby, non. Danse avec les stars, présenté par Sandrine Quétier et Vincent Cerutti, samedi à 20h50, en direct sur TF1. Bah, moi, j'ai toujours cette envie de présenter un jeu, ça c'est évident. Et j'ai aussi toujours envie de faire ce que j'ai fait là avec la spéciale Balavoine au Zénith de Paris ou avec Star 80 au Stade de France, c'est-à-dire de continuer à présenter des primes événementiels. C'est clair, ouais. Ah, mais il y a forcément la frustration, c'est normal, mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, pour les animateurs. Honnêtement, je vais pas frapper à la porte du patron, ça je l'ai dit plein de fois, je le fais pas, quoi. Il est urgent d'être patient. Et je suis en train de développer un jeu en ce moment avec les équipes de Pierre-Antoine Capton et avec Absatou, par ailleurs. Et je suis ravi parce qu'on y travaille vraiment sérieusement, on y croit beaucoup. C'est trop tôt pour vous en parler, c'est trop tôt pour vous parler du concept et de la chaîne. Est-ce que je l'animerai, est-ce que je l'animerai pas, est-ce que je serai juste en production, c'est pas encore, mais en tout cas on y croit vraiment beaucoup. Il est innovant aussi, comme Safari Go.